La Hongrie vient d'adopter tout un nouvel ensemble de mesures législatives pour rendre plus hermétiques ses frontières extérieures à l'Union européenne. L'armée a été déployée dans ce sens alors que ce mardi, les lois entrent en vigueur. Outre la protection du mur, les militaires auront aussi la tâche d'enregistrer les réfugiés. Les nouveaux textes rendent passible de 3 ans de prison l'entrée illégale en Hongrie, punissent ceux qui chercheront à escalader la clôture. Ils prévoient également des peines très sévères pour les passeurs ou ceux qui chercheront à pénétrer armés dans le pays. Les demandeurs d'asile devront entrer de manière légale donc et se faire enregistrer depuis l'étranger, en l'occurrence en Serbie, actuelle porte d'entrée des réfugiés vers la Hongrie. Les textes de loi disent également qu'un migrant pourra se faire refouler vers la Serbie, considéré comme un pays sûr. En fait, tous ceux dont la vie n'est pas en danger ne seront pas considérés comme des réfugiés. La procédure est de 10 jours avec la possibilité de faire appel. Tout d'abord et avant tout, nous devons gérer une question fondamentale, explique ce porte-parole du gouvernement. L'Union européenne devrait être capable de gérer ses propres frontières, d'empêcher les gens d'entrer par les frontières terrestres ou naturelles, de manière à pousser les gens vers les frontières officielles où elles peuvent faire des demandes d'asile. Hanem mindenki a hivatalos határátkelő felé induljon el, és ott adja be adott esetben a menekült kérelmét. Le code pénal a aussi été modifié. Plus question de fournir d'interprètes traducteurs. Les mineurs ne bénéficieront pas non plus d'une procédure spéciale. Sur de nombreux points, la nouvelle législation est très confuse, critiquent les ONG qui défendent les réfugiés attaquent de front. D'un point de vue légal, ces règles bancales comportent de très nombreux risques en matière de droits de l'homme. Elles ne passeraient certainement pas les tests devant les forums des droits de l'homme. Face aux urgences, le gouvernement aura aussi le pouvoir de réquisitionner des terrains et des locaux dans les municipalités qui doivent faire face à l'afflux massif de réfugiés.